Le groupe pharmaceutique suisse Novartis fait peau neuve en annonçant mardi l'échange de certains de ses actifs avec le britannique GlaxoSmithKline et la vente de sa division de santé animale à l'américain Eli Lilly, des opérations représentant un montant total de 27 milliards de dollars, soit 20 milliards d'euros. Résultat des opérations, le Suisse va encore se renforcer dans les produits contre le cancer. Ce sont de bonnes nouvelles pour les actionnaires. Ce qui se passe clairement, c'est que ces groupes essaient de rationaliser leur portefeuille d'actifs en tentant de faire moins, mais de mieux le faire. Les économies d'échelle, la taille critique et un meilleur développement des produits sont très importants. Le secteur de la pharmacie est en ébullition avec les rumeurs concernant l'intérêt de l'américain Pfizer pour le britannique AstraZeneca. Et enfin, mardi également, l'offre de rachat du canadien Valeant sur le laboratoire américain Allergan pour 47 milliards de dollars, soit un peu plus de 35 milliards d'euros.